Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Dotoku25, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien, on se retrouve aujourd'hui pour notre toute nouvelle série, enfin plutôt la reprise de la série de Jack et Daxter, effectivement. Je l'avais promis dans une de mes vidéos que j'allais l'acheter sur PS3 et je sors du magasin là actuellement, enfin, je sors depuis longtemps et comme on peut le voir, les graphiques sont magnifiques. Franchement, je vous dis, ça change vraiment de la PS2, surtout qu'il était refait en PS3 et là. Moi je dis franchement merci, vraiment un très très grand merci à Naughty Dog qui ont accepté de le refaire en PS3. J'avais un petit peu la qualité des couleurs, l'eau est beaucoup plus nette, les herbes aussi, franchement c'est magnifique. Voilà quoi. Attendez, je vais juste accrocher mon micro à mon t-shirt parce que sinon il va encore tomber et ça sera pas terrible. Hop, on fait ça comme ça. Allez, saleté. Voilà. Un petit peu baisser son pied. Franchement, donc je vais vous faire. Cette fois-ci, je vous le promets directement. Hop, un orbe. Voilà, donc ce que je disais, c'est que dans le tout premier épisode de Jack et Daxter, que j'ai fait via mon ancien graveur DVD, que j'ai lourdé depuis un bon bout de temps maintenant, j'avais promis de continuer la série. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément la reprendre en HD. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la. Allez. Je vais la continuer, mais notamment sur l'épisode 1, 2 et le 3ème. Hein. Je vais faire les 3 de Jack et Daxter en walkthrough. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et au passage, j'espère que vous appréciez ma vidéo, mes 2 heures de vidéo délire sur Rayman 3. Parce que franchement, ici, je pense qu'on va refaire ça pour l'épisode peut-être 2 ou 3 de la série. On va le faire en groupe. Ce sera un peu plus marrant. Y aller, voilà. Une pile d'énergie. Donc franchement, ça va être top top. Alors, je vais un petit peu te présenter Jack et Daxter pour ceux qui ne connaissent pas, mais franchement, ceux qui ne connaissent pas, je vais dire ça comme ça, allez vous pendre, parce que c'est vraiment un jeu qui a fait la révolution. Enfin, la révolution. Du moins, ce jeu m'a vraiment beaucoup touché, je vais être honnête, ce jeu, j'y jouerai même toute ma vie s'il le faut, parce que j'ai commencé avec ce jeu-là et. Allez, il est toujours. L'histoire est passionnante, elle donne envie d'être. L'histoire donne absolument envie d'être refaite des fois et des fois et des fois. Je pense que j'ai refait moins de 200 fois le jeu, quoi. Non-stop, j'ai pendant 5 ans, j'ai joué qu'à ça, du matin au soir. Tout le temps, ce jeu, franchement, je l'adore, quoi. Alors, donc voilà. Donc, je vais revenir maintenant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Jak et Daxter, c'est un jeu qui est sorti en 2001 sur PS2. On est sur PS, en fait. Et il a fait la révolution. Franchement. C'est un garçon, donc j'ai pas montré la vidéo du début parce qu'elle était fort longue. Donc ils vont sur. C'est un petit village, c'est au espace de quoi? On va pas dire là l'antiquité, mais presque. C'est vraiment bien loin de nos technologies modernes. Et donc si vous voulez, donc ce garçon, il est avec le petit rat là, qui est avant tout un humain. Ils vont sur une île, il tombe dans un truc des connards, donc c'est de la va dire de la vase. Et il se fait transformer en. Allez, comment dire? Voilà mon petit rat. Et après le jeu, bah, c'est une quête, hein, voilà, c'est une quête, il y a toujours des trucs à faire. Enfin, c'est vraiment un jeu passionnant, moi je vous dis, je vous le conseille vivement hein, pour ceux qui sont sur PS3, même il existe avant tout sur PS2, il est sorti sur PS2, mais ici sur PS3, franchement il l'ont refait. Quand on regarde la qualité d'image ici, franchement elle est magnifique. Du moins sur l'HD PVR, je sais pas ce qu'elle donne, parce que je vois pas, j'ai le PC qui a 10, à 2 mètres de moi, mais. Sur la télé, franchement, c'est magnifique. Donc, je vous dis, je vous conseille vivement, franchement, pour vos packs, je sais pas, un anniversaire ou quoi, n'hésitez pas à le demander. Vous allez vraiment être touché par la qualité de l'image et surtout la qualité du jeu. Parce que c'est. Voilà, bon, je me répète un peu, mais bon, c'est vrai quoi. Quand on regarde, les graphiques sont pas si moches que ça. Hein. Oh! Un trophée! Quand on regarde, c'est vrai que même l'herbe, moi j'ai trouvé l'herbe que j'ai trouvé franchement dans la vidéo, parce que j'ai enregistré ma vidéo de très manière. J'ai trouvé un truc totalement. J'ai trouvé que l'herbe de Jak et Daxter, comme celle de Rayman, était meilleure que l'herbe de Black Ops, au niveau de la couleur. Ça paraît bizarre, mais on pourrait croire que c'est vrai. Hein. Parce que bon, Black Ops, au niveau graphique, était pas si terrible que ça. Mais je vais pas m'attarder au Call of, là on est sur Jak et Daxter, hein, on est sur des vidéos détente, on est là pour se faire plaisir, pour passer le temps. Donc voilà. Et voilà. Donc on vient de terminer l'île de la. Le rocher du désert, pardon. Moi avant tout, je vous dis comme toujours, moi j'espère que c'est. Oh, doucement, doucement. Voilà.
J'espère avant tout que allez, que cette série va vous plaire. Parce que je fais pas ça, enfin, je fais ça pour le plaisir avant tout, mais surtout pour le plaisir des abonnés, parce que j'ai pas fait une série et que personne ne regarde, quoi. Bon, je sais bien que le premier épisode de Jack et Dexter, je suis approximativement à 80, entre 80 et 100 vues. Mais voilà, ça m'a déjà fait plaisir. Donc maintenant que j'ai le jeu en PS3, ça va aller tout seul. Vas-y, Dexter, pars à l'aventure, voyons. Oui, au passage, je remercie quand même mes 142 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et bah, je sais pas si j'ai expliqué dans ma vidéo, mais en raison de mes mauvais résultats scolaires, je vais faire. Voilà, je fais une petite parenthèse là-dessus. Je ne saurais vous proposer que des vidéos le samedi, ou peut-être le mercredi avec de la chance, car je ne joue plus la semaine. Enfin, je peux jouer la semaine, mais. Vraiment tard, quoi. Genre une demi-heure maximum après les devoirs et tout. Donc, voilà. Donc, si jamais vous inquiétez pas, je vais vous proposer d'office une vidéo chaque week-end. Du moins, j'essaierai. Ah, voilà, le village des sables. Franchement, vous voyez la qualité de l'image. Franchement, là, c'est top, quoi. J'ai vu, moi, sur une vidéo YouTube, la présentation de ce jeu de jeu PS3. Le mec, il filme. J'ai vu ça, je me fais, c'est pas possible. Ils ont refait le jeu en haute définition. L'image, il est pourri. En fait, il avait filmé qu'un dazzle, le mec. C'est ça que je me suis dit, ah, bah, d'accord. Ah bah vous voyez l'île de la brume, hein, elle est là-bas, là où est-ce que Jack a, enfin Daxter plutôt s'est transformé. Bon, on va s'occuper du village des sables un petit peu après. On va d'abord commencer par la plage des sentinelles. Hop. Voilà. Si jamais, donc comme je le dis à chaque fois, mais franchement vraiment que vous faisiez. Si à chaque fois je vous dis, n'hésitez pas à me proposer un jeu ou quoi, mais faites-le. Moi ça me dérange absolument pas de le faire. Moi je fais ça par pur plaisir. Moi, je passe le temps quand je fais ça. Moi, ça fait vraiment plaisir de faire des vidéos. Même si je sais bien que j'aurai peut-être jamais 1000 abonnés, je pense pas que je les aurai avant peut-être un an ou deux. Mais quand on regarde, moi, ça fait avant tout, ça fait plaisir. Moi, je fais pas ça pour les abonnés, pour le partenariat, rien. Ça, franchement, même si je serais peut-être jamais partenaire, je m'en fous complètement. Moi, ce qui compte vraiment, c'est. Tiens, t'es mort. Pardon. Moi, ce qui compte vraiment pour moi, c'est le plaisir des abonnés. C'est vraiment pour moi, ça fait super plaisir de vous faire des vidéos parce que je vois que vous me renvoyez l'ascenseur avec les bons commentaires. Ouf, je suis chaud. Avec les commentaires, les j'aime. Ça fait super plaisir. Hop, voilà. Bon. Voilà, encore un. Méchant. Je vais voir peut-être pour proposer une petite un peu allez un petit sujet de débat ici en attendant. Je vais voir un petit peu quoi. Et de quoi on pourrait parler? Des créateurs du jeu? Non, ça on a déjà fait. Mais si vous connaissez pas sur Call of, je vais pas vous parler de Call of, ça ferait pas. Allez. Ça serait pas terrible. Donc on va essayer de faire le plus un bref petit truc. Que pensez-vous? Je vais être honnête avec vous. Que pensez-vous de ma manière de commenter? Dites-moi, parce que je sais très bien que j'ai déjà reçu un commentaire comme quoi j'étais une grosse merde, que je savais pas commenter mes vidéos et tout. Et le mec il précise, mais moi je ne fais pas de vidéos, donc franchement avant de dire ça, voilà, fais-en et on en reparlera. Moi je voudrais que vous me disiez ce que vous pensez ma manière de commenter, si c'est bien, si je me propose si ça vous divertit, que je fasse sur des autres jeux que Call of. Voilà, faut absolument que vous me disiez ça parce que moi, faut me donner des commentaires constructifs, hein. Faut pas me dire une vidéo. Exemple, quand je suis passé sur CODQG avec mon 71, enfin mon 71 pour la Belgique, il y a Shepard, donc je pense que vous connaissez peut-être Shepard, ça dépend comment vous prononcez. Il a répondu, il a commenté cette vidéo. Puis ça m'a fait bien étonner. Il a mis un dislike, donc un pouce rouge, mais il a très très bien expliqué, c'est un commentaire constructif. Parce qu'il y avait des likes, il y avait des gens qui disaient oh très bien, très bonne partie et tout le tralala. Il y en a qui disaient oh le son est trop fort, va t'es nul, apprends à jouer, blablabla, enfin vraiment des trucs totalement débiles. Comment vous voulez que la personne se développe en lui disant t'es nul, c'est pourri, apprends à jouer, fais ci, fais ça, non. Exemple lui, il m'a expliqué, il m'a dit va un petit peu à baisser le son de ton micro, à régler les grésillements. Il est vraiment très bien expliqué, je le remercie, bon même si je suis sûr qu'il regarde pas la vidéo, ça m'aide à moins qu'il tombe dessus par hasard. Mais ça fait vraiment plaisir. Parce que des gens comme ça, qui donnent des trucs constructifs, qui sont là pour vous aider à vous développer, ça fait vraiment plaisir. Sale serpent.
Moi, je sais pas ce que vous allez. Allez, comment vous pouvez. Mettez-vous un coup à ma place. Ou, je sais pas si vous arrivez aussi. Vous vous donnez parfois des heures à faire une vidéo. Exemple, ici, mes 2 heures de Rayman 3, j'en ai pour 40 heures d'upload. Parce que c'est 8 Go la vidéo. Eh ben. Hop, mouette. Quand vous regardez. Ça. Le, ici, cette fois-ci, j'ai bien réglé le micro et tout. J'ai fait au maximum. Hein, et. J'ai des comment. Je sais pas, j'ai pas encore vu les commentaires parce que je vous commente. En fait, justement, elle est en upload ici la vidéo, donc ce sera vraiment sur Twitter, mais. Ça dépend, en fait. Je sais pas, enfin, je m'explique très mal là, je m'embrouille un petit peu. Mais mettez-vous à la place. Imaginons que vous faites une vidéo, donc je sais pas à dire, vous avez fait une Moa, beau, barrette, cale 50. Je sais pas pourquoi c'était. C'est. Ah. C'était. C'est. Oh là là, misère. Bon. C'est cet exemple-là qui revient tout le temps. Avec de la mob au barrette cale 50, je sais pas pourquoi, peut-être que je devrais essayer d'en faire une. Oh! Pénergie! Non, franchement, les graphiques, elles sont magnifiques. Et même la couleur de l'eau est très bien faite aussi. Comment voulez-vous aider le youtubeur auquel vous êtes abonné à se développer si vous lui mettez des commentaires mais vraiment négatifs? Ici, moi j'ai. J'ai Choubi du 320, je pense, je sais pas si tu vas regarder la vidéo, j'espère bien. Tu as commenté dans ma tentative triple moi la MPS7 de re-uploader dans Arcaden là, avec mon HDPVR. Tu as mis quelque chose de très très constructif, ça fait vraiment plaisir à voir. Parce que des commentaires genre, ouais mais non mais tu joues la MP7, c'est quoi cette arme de merde, super cheatée, blablabla. Mais à quoi ça, comment ça peut aider le youtubeur à se développer? Moi je me rappelle au tout début, quand j'avais 50 abonnés, je commentais déjà. Comme une merde, mais vraiment une merde, mais la merde royale. Ici, je commence un peu à me développer. Vous voyez, je commence depuis quelques jours. Je commence à trouver des petits sujets de débat, des petites des choses à dire dans mes vidéos. Il y a oh, encore une énergie. Il y a depuis quelques semaines, ça, je commence à prendre. Enfin, quelques jours, quelques semaines, ça dépend. Faut je vois. Je commence à prendre l'habitude de venir du bon commentary. Ça commence à venir. Et bah voilà, donc ça aide bien. Et moi je trouve ça vraiment dommage parfois que. Hey! Méchant. Je trouve vraiment dommage qu'il y ait des gens comme ça. Si vous aimez pas la vidéo, mais ne la regardez pas, ça. J'en vois pas vraiment l'intérêt parce que dire des commentaires totalement nuls. Je suis quasiment certain que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi, que ça n'aide absolument pas le youtubeur à se développer. Moi, grâce à certains commentaires de certaines personnes, je vais pas citer leur nom parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais j'ai beaucoup de gens qui ont commenté sur ma chaîne, que ce soit par message privé, via Skype ou quoi, je les remercie vraiment. Ils m'ont dit, voilà, essaye de parler de ça, fais un petit, je sais pas, trouve un petit truc marrant, quelque chose. Ouais, ça aide beaucoup en fait, c'est ça qui est vraiment l'essentiel d'une vidéo. Ça aide vraiment le youtubeur à se développer. Exemple, moi, si on m'avait jamais dit de veiller un peu à la qualité de mon micro, à mettre mes vidéos en haute définition, tout ça, j'aurais peut-être quoi, 5 abonnés à cette heure-là? Enfin, maintenant. Maintenant, ici, je suis à 142. Bon, c'est pas si énorme que ça, mais ça fait toujours plaisir. Ah, bah tiens, j'ai un de mes amis qui vient de se connecter. Du reste, c'est un qui m'a bien conseillé, Redia. Oui, prends le soin, tu as raison. C'est une très bonne idée. J'ai eu de voir quelque chose. Je vais voir quelque chose dans les trophées. Bon. Je cherche ce jeu. Omelette flûte flûte, c'est très gentil, mais c'est où? Merci, merci, allez. Et c'est où? Bon, bah écoutez, on retournera ça d'ici quelques minutes. On va retourner en jeu. Wow! On va d'abord s'occuper des orbes. On s'occupera du pingouin après. Du pingouin! Oula! Je suis vraiment con. Du pélican après. Voilà! Ouais, je sais pas, si jamais vous avez une toute petite idée de débat, un petit débat, je sais pas, sur Call of, sur Black Ops, sur la qualité des jeux, la communauté qui est déplorable en ce moment, comme je l'ai expliqué dans Rayman. Est-ce que vous avez pas, on voit que vous avez pas connu Call of Duty 4 à la sortie, enfin peut-être que certains d'entre vous si, mais c'était encore oh, le bien bien joué. Ouh, désolé cette interruption, je suis un peu débile, mais
Ça change vraiment quand on voit maintenant vous jouez avec n'importe quelle arme, vous faites insulter de noob, de cheater. C'est triste quoi. C'est un peu triste à dire parce que bon, enfin triste, je sais pas, c'est voilà, c'est une impression parce que ça pourrit un peu le jeu. Ça, moi je vois, moi c'est comme je dis, c'est comme on dit toujours ouais, mais attends, à quoi ça sert qu'est-ce qu'ils vont foutre, qu'est-ce que Call of vont foutre Activision, c'est des gros charlots, ils mettent l'UMP45 ou dans les petits niveaux, tout le tra. Ils mettent des armes hyper cheatées au début, mais faut penser, hein, ça j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais c'est vrai, faut penser que. Allez, moi je vois mal, regarde, exemple, je suis niveau maximum à tous les Call of, sauf Black Ops, où je suis prestige 14 et Modern Warfare 3 après je suis prestige 11, mais faut penser que le mec qui vient d'acheter sa PS3 ou sa Xbox, il vient de l'acheter. Et je sais pas, il tombe sur que des gros PGM de la mort, que des Prestige 10. Imaginons qu'il ait aucune arme, il va se faire déchiqueter, il va se faire défoncer. Et après, voilà, moi parfois si quand je tombe contre des petits niveaux, des niveaux 1, je vous fais des scores monstrueux, mais je me dis, bon, je suis pas moi, je vais pas culpabiliser là-dessus non plus. Mais je me dis que voilà, ça dégoûte un peu la personne du jeu. Moi honnêtement, quand j'ai acheté Modern Warfare 3, j'ai joué avec Champion 6, il m'a fait tester le jeu, j'ai cru que j'allais hurler, j'ai pété un câble. Je savais pas jouer, j'avais des armes pourries, je sais pas, l'UMP tir rapide, je sais absolument pas le maîtriser ni rien. Et il y avait déjà des hauts prestiges, et bah voilà, donc c'est. Faut penser à ça. Faut penser que. Faut s'y mettre des armes un peu abusées, comme vous dites toujours dans les petits niveaux. C'est pour aider les petits joueurs à se développer, parce que sinon, ils iront jamais bien loin. Donne-moi ça, voilà. 11, déjà 11 piles d'énergie, on a déjà fait un dixième du jeu, hein, quand même. Ah, mais t'en vas pas, mon copain, t'en vas pas. Méchant. Ah, voilà. Okay, allez, de quoi est-ce qu'on pourrait un petit peu parler? On va essayer de trouver un petit sujet, je sais pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça change beaucoup parce que dans mes parties commentées sur Call of avant, il y a un an, c'était. Bah si j'en tue un, je recharge, je change d'arme, voilà, je switch sur l'intervention, je fais un double kill, enfin. Par exemple, quoi, c'était vraiment ça. Moi, je présentais beaucoup trop le gameplay. Et si vous voyez, là, vous avez le gameplay de Jack et Daxter en fond. Ouais, on s'est monté là? Ouais. Bon, ça va plus haut, quoi. Pardon. Je pensais que ça allait plus haut, mais non. Maintenant, franchement, vous voyez, je parle d'autres choses, disons, je suis pas là. Regardez. Oh, je vais par terre. Regardez, je prends une méca mouche. Oh, je traverse de l'eau. Non, c'est pas du tout comme ça. Honnêtement, je pense que, vu extérieurement de moi-même, je pense que j'ai fameusement changé. Et c'est un point très très positif. Bon, après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, mais. Du moins pour moi, je trouve que j'ai bien évolué là-dessus sur la façon de commenter. J'ai pris de l'expérience. Hein. J'ai mes amis. Ah, ça je vais répondre tout de suite. Donc pour ceux qui le savent, en fait, je voulais faire une vidéo annonce et donc en fait, donc comme j'ai dit, à cause de ma mauvaise, en fait, mes parents avaient retiré Internet et donc j'ai dû faire un pacte. Donc ça c'est ça que je vous expliquais, que j'avais pu faire des plus trop jouer la semaine. Comment dire? Donc j'avais non, en fait j'avais donc j'avais pu avoir internet et ça m'a fait vraiment péter un câble parce que sans ma chaîne YouTube, franchement ça m'en fait super mal. Et donc je me suis arrangé avec eux, donc c'est vrai que je serais plus vous proposer que des vidéos pas trop la semaine. Plus le week-end quand je fais mes affaires quoi. Yep. 3 mécamouches sur 7. Voyons, voyons. Où sont les trois autres? C'est une très 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 bonne question parce que moi-même je ne le sais pas. Bon alors là je suis déjà passé. Ah, il y en a une là-bas, ce que je vois. Ah, une ici. Bon, les fermiers, il va vouloir qu'on rentre ces IA, c'est des yakos ou des buffles, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Oui, on dirait ouais, des yakao. Allez mon petit, allez mon gros, rentre dans ta clôture, tiens, clac, et waouh, tu es dedans. Non, petite touche d'humour un peu débile, mais c'est pas grave.
Je sais pas, je vais vous dire, je vous raconter une petite anecdote. Je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, bon, enfin, petit, quand je jouais encore souvent à Jack et Daxter, il y a quelques années, parce que maintenant j'y joue plus trop, je suis sur Call of. Je sais pas, j'adorais cet endroit, les rizières. Je sais pas, je m'amusais à... pendant un quart d'heure, je m'amusais à tourner en rond comme ça. Oui, je sais pas vraiment, ça va paraître débile, mais je sais pas pourquoi je m'amusais. Enfin, après tout, je m'amuse, on s'amuse comme on peut, hein, comme on dit. Tiens. Mais où es-tu? Viens, mon mignon. Allez. Tiens, rentre. Toi aussi, rentre. Si tu rentres, t'auras un os. Un os. Ouf, je suis con, moi. T'auras de l'herbe. De la bonne herbe. Rentre. C'est bien. Allez, c'est bien, mon gros, c'est bien. C'est très, 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 très bien, je te félicite. Il est encore. Yep. Tac. Yep. Allez, hop. Plus vite. Merde. Je suis bête. Mais, allez. C'est pas mal. Mais il se fout de moi, ce truc. Mais allez! Par là. J'ai dit par là. Et encore? Je vais péter un câble. Yep. Voilà. Si tu rentres directement, t'as une grosse touffe d'herbe qui t'attend. C'est très bien. Aïe. Voilà, écoutez. Je pense que l'épisode va bientôt toucher à sa fin. Je vais faire deux trois petites quêtes, 2-3 petites d'énergie. Et je m'arrête là. Je vais faire un petit épisode très court aujourd'hui, tout simplement parce que bah, j'ai pas beaucoup de temps en fait. Alors, en fait, moi je vous ferais bien des vidéos de, je sais pas moi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, si je, allez, si j'en avais les moyens, mais malheureusement, c'est un peu, c'est assez difficile parce que c'est ma, j'ai la connexion qui est, mais quand je vous dis lente, mais je pense que plus lente que ça n'existe pas. Je télécharge très vite, hein, j'ai un avantage, j'ai 30 mégas de download, mais en upload j'ai 5 mégas et c'est horriblement lent. Je pense qu'une vidéo de 10 minutes qui me fait approximativement 600 mégas, je la mets en 1 heure. Donc s'il fallait bien calculer que 600 minutes en 1 heure. 600 minutes. Ouh là 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 là. 600 mégas en 1 heure, pour 7900, ça va faire beaucoup. Oh non, je suis bête moi. Qu'est-ce que je suis allé lui parler? Lol. La facture était payée. Bah oui, il est très comique. Vas-y, je t'écoute. Voilà, 90 heures après curseur, c'est bizarre. J'étais sûr qu'il dirait 86 et pas 90. Pourtant, le jeu est en. On est en Belgique. Voyons, mauvais belge, va. Petite touche d'humour de merde, je sais, c'est comme d'habitude. Je suis pas humoriste, hein. Je fais des blagues à la con, mais bon, c'est pas grave. Oui, joue. Tout. Voilà, ça c'est bon. Donc encore 90 orbes, cette méga mouche, ça les. Ok, je vois ce qu'il faut faire. Où es-tu, toi? Ah oui, bonjour papy, comment tu vas? Ah bon, pourquoi ça? Ah, t'as plus d'orbes, ça c'est dommage, tu sais, moi j'en ai, hein. On pourrait peut-être faire un petit pacte. Mais il a eu raison, Daxter, t'as eu raison. Ah, c'est mon oncle! Je pensais que c'était mon grand-père. Bien, on va dire qu'il y a un petit air de ressemblance, hein. Cette pile d'énergie, bien.
Ok, merci beaucoup, ça fait très 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 plaisir. Ouais, voilà quoi. Non, écoutez, franchement, j'espère absolument, c'est. Enfin, absolument. Vraiment plutôt. Que cette petite partie de Jack et Dexter vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, ça c'est fait, c'est promis, c'est juré, enfin, tout ce que vous voulez. Tous les épisodes, toutes les parties que je ferai, Jack 1, Jack 2, Jack 3, je les commenterai, je les uploaderai. Je vais absolument vous donner goût à ce jeu. C'est mon objectif, c'est mon but. Vous donner envie de jouer à ce jeu. Parce que vous ayez 16 ans, 8 ans, ou 17 ans, ou 10, enfin peu importe l'âge. Vous aurez sûrement envie d'y jouer parce que vous allez dire c'est gamin, mais. Ya. Écoutez, voilà. On va ça, je vais faire un petit plouf pour le final. Je sais, je sais ce que je vais faire. Bon d'accord, il y a un mur invisible, c'est pas grave. La, 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 la. Bon, alors regardez bien, j'ai 15 piles d'énergie, 23 orbes, 50, enfin tout ce que vous voulez. Et voilà, je m'amuse, oui. Doum, 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 doum. Voilà, on va dire que je me lave. Non, écoutez, franchement, allez, je vais vous dire. Abonnez-vous à ma chaîne si ça vous plaît pour ne pas rater la suite. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si ça vous plaît. Moi, ça ferait super plaisir. Commentez la vidéo comme d'habitude, mettez-la aux favoris, partagez-la sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Enfin, essayez de faire en sorte que mes vidéos soient vues, ça ferait vraiment plaisir. Et je vous dis, allez, à la prochaine. Ciao, bye bye, prenez soin de vous.